Ok, je lance le jeu. On l'a plus. C'était vraiment DL. C'est un truc de ouf. C'était vraiment DL. La cam risque de bugger parce que le gâteau c'est de la merde. Ok, Sanji, 7 mois. Merci Quisky pour les Twitch Prime. Bienvenue à toi, mon pote. Comment jouer le jeu en français? Parce que vous êtes tous des noobs et qui allez rien comprendre. Ah bah voilà. Attends mais chat, vous voyez rien là? Oh mais c'est incroyable! Chat, vous voyez rien là? Vous voyez pas le carré noir à l'intérieur? Oh. Tiens, vous voyez pas le carré noir à l'intérieur là? Oh, je bouge encore, incroyable. Carré blanc? Je vois plus rien. Régler la valeur de l'intérieur de l'extérieur. Je vois rien. Je vois rien. Il est full bug le jeu. Bon, je vais mettre 300 les gars. C'est quoi régler la valeur pour que l'intérieur et l'extérieur aient la même luminosité? Ah c'était ça. C'était genre 500 je crois. Sombre, plus lumineux. Vous me dites chat, c'est pour vous. Hein. Dites-moi. Là, je suis monté à 400. Et là, je suis à 50. Aucune diff. Y'a aucune diff. Faites en sorte que les zones bleues et rouges soient à la même taille. Locke passe mon VIP et laisse le VIP à Killer Panda STP, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Airnet est un service totalement gratuit. Non, non, nique ta mère. Genre, nique ta mère. C'est quoi? C'est une pub? Si vous ressentez de l'inconfort, faites une pause. Si les mouvements de caméra vous dérangent. C'est à ce moment-là glauque? Même le menu, il est glauque? C'est manette ou c'est PC? Je peux jouer PC, les gars, ou pas? Ou c'est manette? Je peux jouer PC, ok, c'est bon alors. Pourquoi est-ce que c'est toujours activé le V-Sync? Je comprends pas pourquoi ça existe encore le V-Sync. Je comprends pas les gars. Je ne comprends pas les gars. Pourquoi le V-Sync et le Motion Blur existent encore? Je ne comprends pas. Désactive le HDR, coq. On est prêt? Oh, ma camel lag. Pour changer, tiens, hein? Non, mais frérot, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Les BPM, c'est important? C'est important, les BPM? La camel lag, les gars. Je vais péter un câble, frérot. Je vais péter un câble. Oh, je vais péter un câble. Oh, oh,
Goldistream, merci 6 mois, mon pote. Xiperm, 4 mois. Aliaché, 500 bits. Passe-moi le VIP. Eh ouais, Aliaché qui passait devant Killer Panda. Killer Panda qui ne répond pas. Killer Panda qui est dans les cordes. Sanji, 7 mois. Merci, mon pote. Je vais vous laisser jusqu'à la fin du stream pour répondre. Ok, bande de noobs. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a mentionné, les gars. Je t'ai mentionné dans 6 stories. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai racheté la Tesla de Locklear. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. J'aurais kiffé, en vrai. Prenez une gourde de l'hydro de robinet pour enlever le sable avant de mettre les chaussures. Huggy, les bons tuyaux. Va te faire foutre, ouais. Va te faire foutre. C'est qui ce mec-là, là? Va te faire foutre. Bon, Renard, Twitch Prime, Monsieur Fox. 11 mois, mesdames et messieurs, sans plus attendre. Je vais me mettre en mode fenêtrer mes couilles, là. Ça va être terrible pour moi, mais tant pis, la cam, elle va pas bugger. Elle bug pas, la cam, là, non? Elle bug pas là. Salut chérie. Bienvenue mesdames et messieurs sur ce Let's Play. Je vais te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à... Eh, si ça a sauté la cinématique les gars, j'allais péter un câble. Vous me dites ils sont et ok, d'accord. Vraiment c'est trop. Je fais un deal. Tu me laisses mon VIP Locklear Ult et tu fais ce que tu veux avec Alia et le gardien. Merci mon pote pour les 1500 bits. Sorcilus, 7 mois. Merci les 3 mousquetaires, 2 mois. Renardo, Twitch Prime, le garçon atypique. Eh, vous allez m'en vouloir, hein, les gars. Bouge ta cam, qu'est-ce qu'il y a? Bouge ta tête, toi. Comme ça? Vous avez rien loupé, on vient de commencer. Tout le monde, asseyez-vous, les gars, ça commence. La maison, oui. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Qui a mis une prédiction? Qui? Qui ruine le contenu? C'est quoi la prédiction? Locklear meurt avant... Je meurs pas, frérot. Et votez... Regarde, il vote quoi? Il vote oui? Évidemment, ce noob. Non, c'est un pro-gamer. Les gars, vous êtes trop nuls, hein. Et les gars, all-in vite sur 18% là. Dépêchez-vous, les gars. All-in. C'est impossible que je meure. C'est avant quoi? Locklear meurt avant minuit. Ça veut dire, en gros, dans 1h30, les gars. Impossible que je meure. On va juste taper des cinématiques. Impossible. All-in vite. All-in vite. Ils sont trop débiles. Ils sont trop débiles. Tais-toi, tu vas ruiner la côte. Bah mec, j'essaie de mettre des gens bien. Vote verrouillé. Ok. Minuit, t'as aucune scène où t'as de possibilité de mourir. Spoiler! Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Moi aussi, je t'aime. Tu me manques. J'aime beaucoup ton haut. J'aime pas ton sourire par contre. Range tes dents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ethan? Ethan? Tu avais raison. Je t'ai menti. C'est assez fort ou pas? Est-ce que c'est assez fort? Je suis désolé de couper les gars, mais je vous vote bien. Ok? J'ai l'impression, quand je regarde là mes filtres audio, j'ai l'impression que c'est pas assez fort. Ok. Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, reste.
à l'écart. J'ai loupé un truc ou pas? C'est normal là que c'est écran noir? Ok. Allô? Salut, c'est... J'ai monté de son. C'est Ethan. Hé, hey, ça va? T'es parti comme un voleur l'autre soir. Ouais. Ouais, je sais, ça va. Ça va. C'est Mia. Elle est pas morte. Elle est vivante, elle. Elle est de retour. On l'a retrouvée? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Écoute, je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. Franck. C'est peut-être des conneries, mais... Mec, les doubleurs français, les gars, j'ai envie de vous claquer. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous claquer, quoi. Delvie, en Louisiane. Je double le mieux que vous! Je sais, mais si c'était bien elle... Je suis désolé. Je vais en avoir le cœur net. Je dois absolument mettre pause, car il y a J'entends pas qui a donné 5000 bits. Est-ce que tu veux que j'augmente le son? J'entends pas. Merci mon pote, en tout cas pour les 5000 bits. Lucky, 7 mois, merci mon pote. Sisupi, 210 bits. Tuturbe, 4 mois. Bézac, 37 mois. Merci pour tout les gars. Bienvenue à tous. Merci les gars. Merci, merci, merci les gars. Non, pas de VO les gars. Il y a les 3 quarts d'entre vous qui ont loupé leur pro d'anglais, ok? On y va? C'est bon, tout le monde entend bien? On entend bien? Je conduis là? C'est même peut-être un peu fort. Je vais souvent aller dans les options, c'est normal les gars, c'est normal, c'est le début du jeu. Donc c'est pas mes options, c'est pas mes configs, etc. C'est ici. C'est ici. Quoi c'est ici? Ok, je vais juste laisser un chouï à la sensi. C'est pas en QWERTY, donc c'est bon, ça c'est pas mal. Il y a un filtre qui me rend ouf. Tout le monde voit bien, les gars? Tout le monde voit bien? Ou c'est trop sombre? Qu'on le fasse maintenant, quoi. Parce que moi, je vois hyper bien. Écran Asus 360Hz, c'est hashtag ADA. Voir votre objectif. Oh, j'adore. Retrouver Mia, fichier, carte. Connaissez, on a un historic gamer. Des équipements de caméra. Allez hop, premier easter egg. Premier easter egg. Join us, rejoins-nous. Épisode 17, proposition de projet de s'introduire dans une maison fantôme en Louisiane. Premier easter egg. La FOV les gars, genre... Merde, y'a un fils de pute là. J'ai un gun, j'ai quoi? Y'avait un mec là? Y'a genre un vieux grain, ouais, je sais, mec, mais. Putain. Ça doit être ça, non? Netteté? Profitant de champ, dégage. Qualité des ombres, ok. Ombre dynamique, ok. Cache des ombrages, occlusion en blanc. Lens flare, ça je peux le dégager à la rigueur. Raw flare, je peux le rester. Aberration chromatique, non?
Augmente de fauve, Showmax, frérot. C'est un jeu à 90 de fauve, mec. Ils veulent pas que t'envoies trop. C'est pire là, non? Ou c'est mieux? C'est quoi ce bordel là? C'est quoi? C'est des jambes? C'est des jambes de coq? On reste comme ça ou pas? Il y a un add-on pour le fauve. Oh là là, putain. Immonde. C'est vrai qu'il est immonde le jeu, les gars. Je vous cache pas, les gars. Je le trouve immonde, sa mère. Et pourtant, je suis au max de max, quoi. Je suis au max. Je suis au maximum. Ouais, la cam, c'est normal, les gars, c'est normal. Vous voulez que j'essaye en BT, je sais pas quoi, là? Test HDR. Oh putain! C'est sympa comme ça! C'est vraiment très sympa! J'adore! Qui a inventé cette merde? Bon les gars, le jeu est moche, j'y peux rien, ok? Genre le jeu est moche. Je n'y peux rien, le jeu est moche. C'est comme ça les gars, non? Je peux rien faire là. Le jeu est moche à chier. C'est... Allez chier à la gueule des devs, pas moi, ok? Et surtout n'allez chier à la gueule de personne d'ailleurs. S'il vous plaît, personne. Il y a un mec qui dit un truc intéressant mais il l'a pas assez spammé ce con. Y'a un gars, il a dit un truc intéressant. Mais il l'a pas assez spammé, le con. Je vais essayer en BT, je sais pas quoi, là. Vous préférez en BT, je sais pas quoi, mes burnes, là? Ou est-ce que vous préférez... Ou ça, tu vois, ça, tu vois. Là, tu sais très bien que c'est développé avec le cul. Tu vois, là? Quand je peux pas prendre ça, là, et le ramener en bas, on est où, là? On est où? On est à la manette. Voilà ce que c'est. On est dans le passé. Allez, c'est bon, je suis saoulé. On attaque. C'est ma meuf ? Étrange substance noire. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quoi, affichage réduction 100% à 200%. Tu vas te faire ban? Il va se faire ban, lui. Sortez-le, les gars, sortez-le. Il fait peur, le jeu, ou pas? Pourquoi j'ai fermé la porte ?
Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, hein, vraiment, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, jumpscare, c'est sûr. Jumpscare. T'imagines, t'es en 2017, tu développes un jeu, frérot. Il me faut une clé. Miam. Mange-le, merde, vite. Merde. C'est bon quand c'est frais. Oh, miam. Anti-aliasing, la cam. Je crois que la cam, elle est... Mec, Elgato, franchement, je leur pisse aux boules. Mais vraiment. Je leur pisse aux boules, mec. Je sais pas comment régler ce problème, les gars. Trouvez-moi une solution, les techniciens, s'il vous plaît, les gars. Trouvez-moi une solution pour plus avoir ce problème de merde. Soit pour régler ce problème, soit pour remplacer Elgato, les gars. Parce que c'est vraiment genre du matos de merde. Putain, mais c'est trop bon, mec. J'ai envie de me régaler, là, les gars. Plus de 20% disparu en 2 ans. Ah, faut faire gaffe parce que tout est... T'as vu, tout, tu veux tout bouger par terre. C'est intéressant comme mécanique. C'est terrible là, regardez, je vois pas le bout du couloir là. C'est terrible. C'est quoi sa lampe torche de merde? Anti-aliasing FX plus TAA. Et je fais quoi avec ça? Bah c'était comme ça au début en fait, frérot. Ouais, c'est déjà mieux. Mais frérot, casse-toi, non? Attends, mais c'est ma meuf, ça? Donc en gros, si j'ai bien compris, les gars, moi, je viens chercher ma meuf, c'est ça? Ah, t'as les escaliers, là. C'est les escaliers qui sont off. Moi, je viens chercher ma meuf, c'est ça? Genre elle a disparu et je viens la chercher. Ok. Le pitch il est bon. Ah c'est bon. Mais quel coq. Donc il y a des forces surnaturelles. Parce que là, clairement, j'ai essayé de jouer du piano et il y a des forces surnaturelles. Je n'ai pas réussi. Imagine que tu rentres dans une maison et tu poses pas la question s'il y a quelqu'un. Ah, c'est que des sauvegardes comme ça. Ah, c'est vrai qu'on est sur Resident Evil, les gars. Je crois que c'est... Genre, je peux pas faire échappe sauvegarder. J'ai pas envie d'appuyer sur le bouton, là. Pourtant, il y a un bouton rouge, les gars. Ah, il faut que je trouve un fusible là. Est-ce que c'est normal? Attends, mais vous, c'est tellement sombre, les gars. Oh, vous voyez, mais tellement sombre.
C'est tellement sombre par rapport à moi. Enlève la variable bloc à 60 si c'est pas déjà fait. C'est quoi ces jeux de merde, les gars? C'est quoi, les gars? C'est quoi? Ouais, nickel, ok. Sous-optimisé! You want to play a game? Donc ils sont venus faire une vidéo parce que sur des maisons, tu sais. Bon. Sur des maisons hantées et tout, quoi. Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis... Eh, hey, je bosse qu'avec des professionnels. Okay. D'ailleurs, donc en gros, comme ce que fait le JDG et tout ça, là, tu sais. C'était il y a 2 ans. Ils vont dans des maisons hantées et ils jouent avec le feu, les gars. Et un jour, ça va se retourner contre eux. Oh là, je le sens pas. Ah, c'est moi qui joue? Encore? Alors, sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. Le grand JDG, ouais. D'abord, on fait un tour à l'intérieur, et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission, cette fois, hein. Vous voyez bien. T'inquiète. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Fantastique. Je vous avoue que les graphismes qui sont absolument affreux, ça me relaxe un petit Est-ce peu. Est-ce qu'on tourne? Parce que okay, c'est vrai que l'ambiance, elle est pas folle, tu vois. Laisse-moi faire. C'est bloqué. Après toi. Bah laisse-moi passer si c'est après toi! Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Quelle merde! J'étais présentateur, moi! Désolé, gars, je suis obligé de mettre pause parce que j'aime rapporter le monde à leur sens. Imagine ta meuf, elle disparaît, tu vas tout seul comme un cucklord, sans gun, avec une lampe torche. J'ai quand même envie de mettre la virgule. J'ai le droit de mettre ma virgule? C'est bon? Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Moi je ramène ma clique de potes, frérot. Je ramène 15 potes, on arrive. Seul soit ici, frérot. Tu vois? C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Moi d'abord. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Y'a rien qui a changé, attendez. Filme un peu ça. On regarde s'il y a quelque chose qui a changé. Non, y'avait pas de truc, donc ils sont mangés. Ils ont mangé. Okay. Une famille de pecno disparaît. Entre temps, ils ont mangé. Ils ont pas ouvert le frigo par contre. Les Baker. Jack et Marguerite Baker. Une famille normale, plutôt paisible. Y'a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Dégage, gros lard. Lui a mal tourné, apparemment. Lucas? J'en connais un, Lucas. Merde! Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Des fantômes aperçus dans le bayou. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André? André? Il a disparu? André! Clancy, tu sais où est passé André? Il a disparu. Il est où? Putain, j'y crois pas! C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec! Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy... Reste près de moi. Mais comment on a déposé la cassette en haut, en fait? C'était quoi, ce truc? Oh merde, je me casse. T'as entendu? Non, j'ai rien entendu. André? Y'a rien ici, ok. Il est où, putain? Si j'appuie là-dessus, je peux pas découvrir. Quel easter egg hunter gamer. André, t'es passé où? Bon,
Faut appuyer sur le piano pour avoir la porte secrète, c'est ça? Oh! Il est allé à Poudlard! C'est quoi ce bordel? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas? Par pitié, Locke coupe les voix des doubleurs. Il est mort, André! Ah bah, je suis mort aussi, je crois. Ok. C'est quand même fait kidnapper grave vite, quoi. Ok. Viens, on laisse ma meuf et on en trouve une nouvelle, quoi. T'as vu? Genre... c'est... tu sais, c'est le moment de se barrer, tu vois ce que je veux dire? Mais viens, viens, on va aller se faire tuer en bas. Vous pensez pas? Vous pensez quoi, chat? C'est une bonne idée, hein? Tu viens de voir des mecs se faire tuer en bas. Et le problème, c'est que tu fais... c'est descendre. Quel coq. C'est à combien de temps, les gars? En... attends, je sais pas si c'est un spoiler. Entre le moment de la vidéo et là, j'ai vu, il y avait une date, non? C'était à combien de temps? Bloom suractivé pour enlever le flou. C'est mieux? Ah, c'est à 3 ans, ok. Et c'était ma meuf était dans le groupe de caméraman ou pas du tout? Ou ça n'a rien à voir? Pourquoi tu stream ça? Oh non! Je suis désolé, mon frérot. T'as peur? Je suis désolé, mon vieux. J'ai, les gars! Désolé, je mets beaucoup pause. Mais les gars, si vous avez peur. Si vous êtes jeune, si ça va vous traumatiser, cassez-vous, s'il vous plaît, les gars. Cassez-vous, ok? Genre, je sais que c'est bien de se faire frissonner, etc. Mais je veux pas vous traumatiser, les gars. Moi, quand j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans, les gars, et que je regardais des films d'horreur et des trucs comme ça, ça m'a traumatisé pendant un an, deux ans. Donc vraiment, les gars, je vous le dis. Apparemment, ce jeu, genre, il est creepy et tout. Donc vraiment, je tiens à mettre les warnings, ok? Amelino, 6 mois, merci mon pote. LS Peter, 4 mois. Faut que ça TV, 16 mois. Chocolat Fetus. 200 bits, merci Punk Alan, 6 mois, merci gars. Donc voilà, je préfère le dire, ok. Le jeu est flippant, il est badant, j'en sais rien. Voilà, ok, donc faites gaffe à vous, quoi, ok. C'est André. La seule chose qui me traumatise André. Actuellement, c'est la voix des doubleurs. Moi aussi, mec, moi aussi. C'est mieux avec le Bloom? Mais c'est un truc de ouf, les mecs ils avaient des prisons ici et tout quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui va là? Il me faut une sauvegarde là. Si je meurs maintenant... Mia? Oh putain c'est elle. Y'a un code. Ben mort, muté, ok. Coupe boulon. Ok. On analyse. C'est quoi muté? Ah donc c'est vraiment Resident Evil. Donc ça se trouve c'est des scientifiques fous qui font des tests sur les zombies. Bon, j'ai plus envie d'avancer.
Oui, parce que Resident Evil, c'est toujours, ça a toujours été le bordel, tu sais. C'est pas un jeu à choix, hein, les gars. Genre, c'est toujours, ce sera toujours la même fin. Mia, Dieu merci, tu es vivante. Elle est, c'est moi, elle c'est est, Ethan. Elle est super belle. Ethan ? Est-ce que ça va ? Tu ne devrais pas être là. Comment ça ? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu ? Est-ce qu'il t'a vu ? Il ? Qui d'autre est ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa ? Il faut partir maintenant ! Vas-y, je te suis, bébé. Où est-ce que tu m'emmènes ? Quelque part, en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ? Elle est nickel chrome, hein ? Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. 3 ans ? Ça fait déjà 3 ans. Là, y'a un mec, c'est sûr. Comment j'éteins ma torche ? Mais c'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je peux éteindre ma torche ? Je crois que c'est par là. Non mais elle est le J-Bait, hein. Elle travaille pour eux, c'est sûr. Mec, elle est nickel chrome. Bon, on roule ou pas ? Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Mia. Tu es sûre de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Mais elle est nickel ! Personne l'a frappée, personne n'a rien fait. Le screamer arrive, chat. Je le dis. Le screamer arrive. Les spoilers, c'est Banavi, les gars. Zéro chance. Ok ? Tentative de spoiler, c'est spoiler, c'est Banavi. C'est là ! C'est fermé. Ici. LJ Bait. Oh, c'est ouvert, LJ Bait, c'est sûr. Je me souviens de cette pièce. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. LJ Bait, LJ Bait. Non. Elle est plus là. 00, notez. On va être une famille. Maintenant, tu es ici. Elle a complètement perdu la boule, elle. Elle va me fermer la porte, tu vas voir. Elle va fermer la porte, les gars. C'est bon, je connais l'histoire déjà. Je suis en boss. Où ça ? Mais comment ils vont si vite ? Oh, merci, si bien invité. Attends, il y a les tiroirs. Téléphone ? J'appelle la police. Oh tiens, un téléphone qui marche dans un film d'horreur, ça existe pas. Plan annexe. Salle de bain à gauche. SWAT team. On the way. Salle de bain à gauche. SWAT. C'est quoi ça? Referme les plaies, accélère la régénération des cellules. Ok, c'est l'équipe de soins, c'est pas possible. Salle de bain, porte fermée. Objectif ?
Y'a un mec qui toque à la porte là, faut que je réponde. Ça manque de politesse. C'est ma meuf ça? Ah ouais, c'est sûr. What the fuck, elle est super forte. Mais là, on était un truc, du coup. Tu vois pas que c'est pas ta meuf? Ok, c'est vraiment. Non, c'est pas mort. Attends, arrête! J'ai rien à faire, hein. Je peux l'entendre. Ah, elle a le virus. Je peux la sentir reprendre possession de mon corps. Va-t'en! Laisse-moi tranquille! J'ai été vilaine. Je mérite ceci. Qu'est-ce que t'es devenu, Mia? Mec se fait planter dans tous les sens. Oh, comme neuf! Comme neuf! Bon bah voilà, ça c'était ma meuf. Oh merde, putain. Objectif. Oh mon dieu, mec. Voilà, tu vois que les portes on peut les ouvrir. Non, j'attaque pas. Nous sommes tous morts ici. C'est un jeu à choix, c'est un jeu à choix. Tais-toi, tais-toi, voilà. Tais-toi. Tais-toi, tu craques pas mes coups de sang. Je peux mourir? Bah, je meurs, hein. Ouais, il faut pas que je meure, là. Il fallait pas que je meure. C'est terrible, je suis venu juste pour buter ma femme. C'est terrible comme jeu, putain. Je suis venu buter ma femme, les gars. Pourquoi il y a un tiroir alors qu'il y a rien dans le tiroir? Putain, encore un kit de soins là. Oh putain, j'aurais dû la gangbang direct. On va essayer de mettre par là. Je n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier. Vas-y. Maintenant. Ok, Zoé, elle va nous dire bête. Impossible. Zoé qui m'ouvre les portes. Le grenier vite. Non mais il me faut un fuseau. Il me faut un fuseau horaire là. Tu sais? Mais. T'imagines, j'avais des choix, les gars. J'avais des choix de pas la tuer.
Chat, est-ce que j'ai le droit de poser une question? Et si vous répondez, c'est un peu du spoil, mais au moins je sais pour. Il n'y a pas des fins alternatives, il n'y a pas. J'ai le droit de poser des questions ou pas? Non, pas le droit, mais du coup, tu as dit non aussi pour la fin alternative. Voici! Il y a des fins alternatives! Oh merde, je vais pas. Hey, j'en suis sûr qu'elle a buté, c'était le mauvais call. J'ai le seum là. Elle a disparu en plus, elle est même plus là. Ça se trouve, j'ai même pas buté en plus. Ça se trouve, la buté, c'était le mauvais call. Et viens, je prends. Viens, je prends ça et je le mets là-bas. Non? C'est quoi ça? Pas tout de suite les choix, ok. Ok, ça me va ça. Ça me va comme réponse, les gars. Genre, juste pour que je sache que. Parce que tu sais, moi je suis un troll, les gars, donc je troll beaucoup. Ok? Je troll, donc des fois, tu sais, genre, je fais des décisions juste pour que je sais que je stream, tu vois. Et ça, tu vois, par exemple, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas une hache, tu sais. Genre, mec, frérot, fais un effort. Sur une échelle de 1 à 10, il fait flipper à combien le jeu? Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser. T'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! J'ai déjà pris un couteau tout à l'heure dans la main gauche. What the fuck, tire un grenouble! Attends, tu vas essayer de tourner la vis ou pas? J'ai déjà mort? J'ai perdu? Maman, ramasse la main. Faut la mettre au frigo. Comme ça, on la recolle. Ça m'aurait fait trop rire qu'il utilise le cette main-là pour l'ouvrir. Le mec, il essayait de visser, tu sais, genre dans sa main. Bah putain, forcément, frérot. C'est bon, je peux recoller ma main. Bon, d'accord. Ah, j'ai pas besoin de soin? Ok. Dans tout Resident Evil, les balles sont comptées. Elles sont extrêmement comptées. Non, mauvais choix, je pense. Tout repose sur moi. Tu meurs par contre ou pas? Ça va avec les moignons, les gars. Tu
La tronçonneuse. Quel est mon objectif? Oh putain, je voulais pas faire ça. Bienvenue dans la famille, fiston. Non, je suis pas mort. Je suis pas mort. Bienvenue dans la famille, fiston. Comment je fais? Est-ce que c'est possible, chat, de survivre alors que ma main elle est en train de pisser du sang? Normalement, je perds mon sang, je perds connaissance. Au bout de quoi? 5 minutes, non? Si quelqu'un me coupe le bras. Je perds trop de sang, les gars, non? C'est impossible. Allez, c'est pas le moment de claquer. C'est le moment de t'as claquer son. Sur la planche. What the fuck, mec? Qu'est-ce qui se passe? Yes! Où suis-je? Qu'est-ce qui... Allez, debout, jeune paresseux! C'est l'heure du dîner! Attends, mais c'est un rêve, là, ma main, elle est... Qui êtes-vous? Où est Mia? Moi aussi, je vais manger. C'est bon. C'est toi qui me viens de passer les bonnes choses. Lucas. Ça devient lourd, vieux. Pousse-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. On a un virus, c'est sûr. On a le Covid et ça fait repousser les bras. Allez. Imagine, ils sont très bons entre eux. Oh merde, oh merde. Il mange pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je prépare ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était ça, l'enfoiré. Il mange pas. Il mange pas. Allez, c'était censé être un festin très spécial. Allez, fiston. Vas-y, vas-y. Merci, mon vieux. Allez, vas-y. Oh, merde! Je parie que c'est encore ce flic! Dis poulet! C'est moi ça, j'étais happé, les gars! Maudit poulet! J'arrive à bouger ma main gauche. Non, mais c'est quoi? C'est de la science-fiction ici ou quoi? C'est de la science-fiction ici. Des balles, mais il faut le gun. Ah, j'ai des herbes pour me soigner. Mais en fait, je suis infecté ou sinon? Parce que comment je fais là pour récupérer ma force? Le mec m'a planté dans la bouche. Il faut une clé, putain. Prends une cuillère, bats-toi avec. Il est con ou quoi, mec? Genre, il y a des couteaux sur la table, on mange comment? Je suis dans la cuisine, je peux pas trouver un couteau? C'est de l'infiltration maintenant? Oh, je suis mort.
quel est mon objectif? Feb 2013. Voilà. J'ai une clé, il faut que je l'utilise. Il va me casser les couilles là-bas, je pense. Hein. Ethan ! Ethan ! Ethan ! Ils ont des oreilles ou pas ? Laisse-moi passer, par contre. Ouais, mais je peux rien faire. Pardon, monsieur. Espace garde. Allez, viens! Wow! Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis mort, là. Oh non. Oh non. Il est 23h23. T'es tout seul. Et tu vas mourir tout seul. Désolé, chat, désolé. Chat. Ça casse les couilles là, y'a pas un autre moyen? Oh, je vais perdre patience les gars. C'est le genre de jeu où je vais perdre patience, je pense. Ma brain. En fait, ils sont sur sa mère. Ils sont sur sa mère. Tu peux courir ta mère. Ok. Pourquoi il crie ? Surprise. Tu pensais nous quitter avant la fin du repas ? Coucou.
que vous. Trompé d'adresse. Regarde, j'ai gardé. J'ai gardé. Donne-moi une tape. Parce que j'ai le dos de tourner. Le bras. Merci frérot. C'est bon. Tu peux remettre la jambe en place avec ça. Tu peux le faire. Ouais, vas-y, je vais remettre ma jambe. Bonne idée. Vagne-toi, Ethan. C'est un GB tout quoi. Putain, j'arrive même pas à faire ça au premier coup. Attendez, je suis désolé les gars, mais il faut que je speedrun. Bonjour monsieur, ça va quoi? Tu pensais nous quitter avant la fin du repas? Pas mal, mais c'est nul. C'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné. Je vais t'écraser comme un insecte. Je suis encore mal à mon torche. Easter egg. Il est partout quoi. La petite sauvegarde qui régale. Plan de résidence, ok. Téléphone. Combiner les objets dans l'inventaire. Le fameux coffre, ok. Non mais vraiment, c'est un vrai Resident Evil, je pensais pas. Hein. Je pensais vraiment pas que c'était un vrai Resident Evil, les gars. Crocheter les serrures, ok. Donc en gros, tu vas devoir revenir à ta caisse. Son du jeu un peu fort. C'est du Minecraft ? Ouais, c'est du Minecraft. Allez, on roule.